Perquisition sensible pour les policiers de la brigade enquête et investigation. Le GSO, groupe de soutien opérationnel du Val-de-Marne, ouvre la voie. C'est un équipage supplémentaire, ce sera au moins 3 effectifs supplémentaires. On peut rapidement déployer un moyen d'effraction et rentrer sur l'effet de surprise. Et s'il y a des armes à feu, que les personnes puissent se préparer à nous recevoir, ou s'il y a des produits stupéfiants, vider les produits stupéfiants ou jeter par la fenêtre, etc. Ils ignorent combien de personnes se trouvent dans l'appartement et si elles sont armées. Le suspect a été interpellé avec 17 000 euros en liquide en sa possession. Il est connu pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Le chien vient de marquer un gros sac dans une des pièces. C'est un gros sachet de cannabis. Les gros coussins, ici, il est vide. Retour au commissariat. Commissaire Piaté, bonsoir. Ok, c'est noté, je vais voir ce que je peux faire. En moyenne, je dirais sur la journée, on a peut-être 200 appels, je pense. C'est très diversifié au commissariat. Il y a beaucoup de missions et beaucoup d'imprévus. Et donc l'imprévu, ça se gère. Donc quand il y a l'équipage qui devait traiter cette mission n'est pas là, eh bien, c'est les autres qui prennent le relais. Donc il faut s'adapter. Standard, accueil, stand de tir, vestiaire. Le rez-de-chaussée est la zone de transit du commissariat, la plus bruyante aussi. Du côté des cellules, le niveau sonore est monté d'un cran, les odeurs aussi, avec un mélange de transpiration et de nourriture. Le commissariat de Créteil a traité 14 000 procédures judiciaires en 2022, avec pas moins de 3 000 mises en cause. Et parfois, ça coince. Question logistique. 21 personnes pour 12 cellules. Donc j'ai des cellules avec où ils sont seuls, j'ai des cellules où ils sont deux, et j'en ai où ils sont trois, malheureusement, puisque je n'ai pas le choix. Bien desservi par le métro, le commissariat de Créteil est attractif. Moyenne d'âge 30 ans, dont beaucoup de sorties d'école, avec un turnover élevé, mais pas systématique. Et à contrario, vous en avez d'autres qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont s'attacher au site, et même aux délinquants, en fait, qu'on voit évoluer, grandir, et parfois même devenir père, avoir des enfants, et retourner dans le droit chemin. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, et c'est touchant de voir ces personnes évoluer, en fait. On est là pour aider les gens. Moi, je me voyais plus comme un sapeur-pompier, bizarrement, en fait, avec des droits juridiques, en définitive. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le travail de la brigade de protection de la famille, dédié notamment aux violences conjugales.